PEGI 18. Bonjour à tous, c'est Petit Seb, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dead Space pour le 14e. Donc aujourd'hui, épisode un peu spécial. On va pas faire les siffleurs, on va trouver les rigs. Alors lui, c'est un ingénierie, on suit. Voilà, le traceur, il est différent. On fait un peu de quête secondaire. Allez, on va à l'ingénierie. Vu que là, on peut y aller. Ce n'est plus bloqué, le chemin. Bon, j'espère qu'on va pas trouver trop de nécromorphes. Normalement, comme c'est des endroits où on est déjà passé, ça devrait être clean. Allez, direction le tram. Zone de forage, ingénierie. Allez, go. Arrêt imminent. Zone de forage, ingénierie. Veuillez vérifier la station à votre départ. Regarde au cas où il n'y a pas des trucs à ramasser. Allez, go, on y va. Reviens là. Petite sauvegarde. Voilà. Et bizarrement, quand on était là, dans l'original, quand on allait ici à un moment donné, on avait un nécromorphe qui nous attaquait. Et oui, je sais, je suis pauvre. Et là, il n'y a personne qui vient. Malgré ça, j'avais quand même défoncé le corps qui était là. Allez, zou. Entrée en zéro gravité. Alors ici, est-ce que j'avais tout récupéré ? Me semble. Je préfère vérifier vu comment je suis en chien de munitions et tout. Si je peux récupérer les petits trucs, ce serait sympa. Je l'avais bastonné. Allez.
prendre le lance-flamme. C'est ici, je me souviens. Mais non, faut un niveau 3. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Oh là là. Bon. Fait tout ça pour rien, 5 minutes. Pour rien. Est-ce que... Non, je me suis trompé. Est-ce que je vous ai mis... La carte. Ah, j'aurais dû regarder. Suivant. Lui. Suivre l'objectif. Carte. On doit reprendre le tram. Là, j'ai rien. Ils me disent pourtant que c'est par là. Bon. On se retrouve au tram. Je fais un accéléré. Voilà, on se retrouve ici. On n'est pas loin de... Bah là, on arrive en extérieur. Donc sur le retour, j'ai quand même affronté 3 monstres. Ici, c'était quoi? Ah bah ça, ici, c'était une zone secrète. Donc là, j'ai regardé la map, apparemment, on n'a pas besoin de... passe. Donc ça sera pensé passe niveau 3. Faudra aller là-bas. Pourquoi on va faire une petite sauvegarde. On sait jamais. Allez. Entrée en zéro gravité. Alors je sais pas s'il va avoir des ennemis. On en avait rencontré la dernière fois en partant. Ce que je vais faire, c'est que hop là, redescends. Merci. Voilà. Là. J'ai accès à l'air, je vais pouvoir regarder. Ah. Ok, bah de toute façon, je suis bête, j'ai les rigs. Sors de là, voilà. Dommage, j'ai pas la phase de shooting. Enlève-la les rigs. Ah, bah ça se trouve, c'est ce que j'avais vu. Voilà. Allez. On se casse. On va juste reprendre un peu d'air pour être sûr d'en avoir assez. Voilà. Pas mal quand même le vaisseau. Hein. Bon, faut aimer hein, tout ce qui est space op.
Space Opera, j'allais dire. L'univers de l'espace, faut quand même aimer. Je dirais pas que c'est ma tasse de thé. Ça se regarde. Allez. Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone de vide. On continue. J'ai l'impression qu'elle est trempée l'armure d'Isaac. Alors, on se met là. Et... non, là. C'est... Ah! C'est quoi cette porte? C'était L3, voilà. Ah, et porte d'accès générale, c'est vrai. Oh, je peux pas l'avoir. Du coup, l'ingénierie, on peut pas. Les cultures hors sol. Ben, ça, on verra à la fin. Allez, on va aller voir le hangar. D'accord, et après les autres ils s'enlèvent. Donc on va faire le hangar. Après on va se diriger vers l'ingénierie. L'ingénierie. Les cultures hors sol. Puis ça on verra quand on aura le pass de niveau 3. Allez, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner ça. On se retrouve... Bah non, 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 j'allais dire on se retrouve. Salut toi. T'as rien à cracher toi avec ta tête? Non. C'est par là? Oui, c'est par là. Allez, go! Ah oui, c'est vrai, ça c'est le général. On avait vu dans une vidéo précédente. J'allais dire, vu la musique, ça sent la baston, mais pas du tout. J'ai récupéré des trucs ou pas hein? 1000, non. C'est une boutique. Par là... Je fais gaffe parce que c'est tout à l'heure c'est sur le retour que j'ai mangé des ennemis. Justement dans la zone que je disais où je m'étais pas fait agresser. C'est là d'ailleurs, non? Voilà. Ici là. Ça se trouve c'est les rigs. Alors, on va où maintenant? Zone de forage ingénierie. J'en reviens. Ça se trouve, j'ai pas choisi le bon. Oula, je vais regarder, hein, parce que si... tu es hors sol... Là, l'ingénierie. Si c'est au même endroit bloqué par une porte, ça sert à rien. Autant aller directement aux cultures hors sol. On va vérifier là. Vu que bah, quand on regarde sur la map, on est bloqué dans la zone où on est. Il faut prendre le voyage avec le tram pour voir la map. Arrêt imminent. Zone de forage, ingénierie. Veuillez vérifier la station à votre départ. Ok, c'est par là. Map. Donc là, on va changer d'étage. Attends, on y est là.
Ah, si, si, je me suis fait agresser. Donc là, on a des rigs qu'on peut pas aller. Et là, avec l'ascenseur, du coup, j'y suis au cinquième. D'accord, on est au sixième. Il serait dedans. Ok. Bon bah go hein. Ouais, tous les cadavres que j'ai rencontrés tout à l'heure. Voilà. Ici, il n'y a rien. Je préfère m'en assurer. D'accord, munitions 12, 70. Là, on va recharger. Une charge personnelle. On y était là-dedans? Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Ok, oui. Ça me parle. Par contre, c'est par où je descends? Ben non, ça se... je descends pas, je dois monter. Ils me disent de descendre. Ah oui, non. Et après, on remonte. Ok. Allez, je reprends un peu d'air. Sortie d'une zone en zéro gravité. Et on y go. Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Ok. Ah, et carrément en extérieur? Mais je vais crever là, j'ai pas assez d'oxygène. Ah, je l'ai vu. Là. Eh, viens. Oh, c'est mort. Mais j'ai pas assez d'oxygène. Oh, faut que j'achète des bonbonnes d'oxygène, je crois. J'ai pas vu de quoi se recharger sur la route, hein. Donc là, on est où? On est retourné ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus dedans? Le hangar. Se trouve dans le hangar. Mais non. Vous savez quoi? On va retourner dans les cultures hors sol. Hop là. On va reprendre l'objectif principal. Voilà. Et tant pis. Là, bon, c'était pas ici. Sur l'autre, là, je suis à peu près sûr que c'était un. Ça devait être des rigs. Allez. C'est juste à côté. Oui, pardon. Arrêt
imminent, salle des cultures hors sol. Alors, je vais juste regarder ici. Non. Hop là. Tac. Montrer sur la carte. Donc là, c'est notre objectif. Il sera là. Ok, donc on les aura là, les rigs. Ce sera sur la route. Ok, allez zouf, on y va. Alors, je vais m'équiper du lance-flamme. Bon, bah, c'était pas très fructueux, ça. Hein. Là. Allez, petite sauvegarde. Et on y va. Du coup, je vais voir si je peux prendre un peu de... de rien du tout, en fait. Il m'en manque 100, je voulais prendre du cutter, mais c'est mort. Ah oui, je me souviens de ça. On établit ça, c'est cool. Bon, bah, le flamme, mon... les munitions de cutter. Alors, lance-flamme, déjà, on va augmenter les dégâts. Je l'ai dit depuis un bon bout de temps. Voilà. Donc là, il m'en reste 4. Ça fait 1, 2, 3. Ok. Cutter plasma. 1, 2, 3. Ouais. L'arme d'assaut. L'arme d'assaut, je m'en tamponne. La tenue. Zone de stase. Non, c'est la durée de la stase qui peut être intéressant. Donc là, j'ai l'air. Ça fait 1, 2, 3 pour les points de vie. Ah! Je dirais pas non pour la vie, hein, parce que je déguste. On prend de l'air au passage. Ouais, on va faire ça. Au niveau des armes, ça va, j'arrive à gérer. Il y a juste les munitions, c'est galère. Voilà. Allez, on y va. D'ailleurs, j'ai pas une autre zone avec de l'air. Non, il m'en fallait deux, je crois. Ah non, je peux. Ouais, pour l'instant, j'ai pas vu de porte ouvrir avec les points, donc autant le prendre. Dans le 14e épisode, je pense que s'il y avait des portes à points, on en aurait déjà croisé. Vu qu'en plus, maintenant, on a les portes à niveau. Voilà, il y en a encore une ici. Niveau 3. Ah, je les ai oubliés, ceux-là. Faut que je redescende. Allez, on redescend. Il y a des portes. Pas des portes. Des petits casiers.
Voilà, pour des crédits. C'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça n'empêche maintenant, mine de rien, que je peux acheter 6 balles de cutter plasma. Il me semble qu'ici on va retrouver un espèce de gros mastodon. J'ai pas de mine moi pour aller là-dedans. J'ai pas de mine. Des crédits, je m'en fiche. Voilà, ça déjà c'est mieux. Aïe, ça commence. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Isaac Clark, ingénieur système. Ingénieur, avez-vous vu la preuve de balle? Non. Mais je cherche aussi quelqu'un. La docteure Nicole Brennan. La docteure Brennan, c'est celle qui aide les gens à quitter l'unicologie? Ouais, elle aidait ma mère. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'espère qu'elle va bien. Les unitologues ici n'aimaient pas qu'on les remette en question. Et depuis que le capitaine est mort, ils ont tous oublié. Oui, je suis passé par là, je les ai pas affrontés. J'avais pas envie. Qu'est-ce que je fais? Je peux en prendre 2. Ouais, on va prendre ça. J'espère que j'ai fait le bon choix. Ah, ils sont là, hein. Je sais pas s'ils peuvent monter. Ils sont pas contents. Hein. Ouais, on va essayer de remonter à l'étage supérieur, on va voir. Hein. Hé, je m'en doutais de ça. Allez, tiens dedans. Ah, on va essayer d'économiser des balles. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Allez, viens là toi aussi. Oh, t'es moche toi. Aïe. Aïe. Voilà. Allez, on va changer. C'est bon, plus personne? Le cutter plasma, il est balèze hein, quand même. Hein. Bah, apparemment il n'y a plus personne. Ici c'est quoi? De toute façon je sais que je vais y aller. J'espère que en fait ce que j'espère c'est qu'ils m'ont tous suivi par euh,
par les conduits d'aération. Eh ben non. Oh ! Voilà, lui il est dead. J'en ai un derrière moi. Le fourbe. Oh mais c'est qui? Allez, avance. Merci pour le soin. Bon, ben, il me semble qu'il n'y a plus personne. Alors, petit soin. Là, j'ai utilisé le full. Je sais pas quand. Zone niveau 2, ça c'est du bonus. On va prendre. Enfin, j'espère que c'est du bonus. Ah, une nouvelle arme. Le méga PK. Ok. Alors, le méga PK. C'est celui qui fait puits de gravité, coûte 3 énergies. Puissance amplifiée cinétique à distance. Ouais, c'est pour les... C'est pour les dégager à distance. Merci bien. Ok, apparemment il a l'air d'être là-dedans. Et bon, on y va. Ah oui, c'est vrai. Bon, apparemment, on a entendu le Léviathan, il est pas content, il a râlé. Et je mets encore des balles à côté et je continue de tirer quand ils sont morts. Aïe! Allez, crève! Oh là là! Bon, maintenant on va où? Par là. Demande de sécurité retrouvée. Allô, la sécurité! Ici le docteur Cross de la salle des cultures hors sol. Quelque chose vient de heurter la coque près du garde-manger. C'est peut-être un astéroïde. Des gens sont blessés à cause de la décompression. On a besoin de médecins et d'agents de sécurité. Et vite! Ah, ça doit être au troisième. Ouais, c'est ça.
J'avais pas fait attention. Bon là normalement il n'y a plus personne. Vu tout ce qu'on a shooté tout à l'heure. Et maintenant on va là-bas. Niveau munitions, ouais c'est pas ouf mais ça va. Ah peut-être recharger ici. Alors, j'étais un peu vite, je suis désolé. Quand j'ai vu les bouches d'aération, je me suis dit, il y en a un qui va arriver. Voilà, je l'ai vu au travers. Arrête de me suivre toi. Maintenant on va où? Eh ben on descend. Niveau 2. Niveau 2. Ok, on va par là. D'ailleurs les rigs ils étaient où? Tac, voir sur la carte. Ok. Donc là j'ai un siffleur, on le verra après. On va d'abord s'attaquer à celui qui est là. Et après on débloquera la porte et on récupérera les rigs de l'autre. Par là. Ici, est-ce que j'ai quelque chose au moins? Ah oui, 4000. Un nouvel objet disponible à l'achat, oscillateur subsonique pour le méga PK. Alors, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oh oui! Nickel! On va pouvoir se refaire une petite santé. Bon, les soins, c'est bon. On va prendre un peu de mitraillette et puis, bah, comme d'hab, hein, mitraillette et les cutters. Voilà, et on est de nouveau à sec. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Alors je regarde s'il n'y a pas une... Si, ils peuvent arriver de par là. Fais gaffe derrière moi quand même, hein. Et bah ici, écoutez, vu qu'on a un point de sauvegarde, on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Bon,
Bah ça se passe pas trop mal, hein. On n'a pas affronté encore le Léviathan. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des aventures d'Isaac dans les cultures hors sol. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye bye.